Et bonjour à tous, c'est Nico le Ch'ti et aujourd'hui une petite vidéo d'information pour ces vacances d'été. Alors si je fais cette petite vidéo informative, c'est qu'il y a des choses à vous dire, notamment sur Guild Wars 2 et bien sûr les autres jeux que je fais, mais aussi il y a eu un peu de changement de mon côté vis-à-vis pour soutenir la chaîne. Tout ça, je vais en revenir en détail. Tout de suite après, et aussi qu'est-ce que je fais à part sur ma chaîne YouTube. Il y a une petite chose aussi que je voudrais vous en parler. Et donc on va commencer avec l'actualité de la chaîne. Donc dernièrement j'ai fait un gros guide sur l'obtention du Drakkhai sur Guild Wars 2 après le dernier épisode de la saison 4 du Monde Vivant de Guild Wars 2. C'était beaucoup de boulot. Beaucoup de tournage, de montage, j'en suis très fier. En plus, ces 8 vidéos, elles cartonnent. J'ai fait ça début juin, elles ont été diffusées fin mai, début juin. Et les 8 ont atteint les 1000 vues chacune. Il y en a même qui, au moment où je fais cette petite vidéo, ont atteint les 2000 vues. Et je suis très content que ça fonctionne pour moi, à mon échelle. En plus, très longtemps, j'étais le seul à proposer ce guide en français, hein, quand je tapais guide Drakkhai, Guild Wars 2 guide Drakkhai sur la barre de recherche YouTube, il n'y avait que moi. Bon, maintenant il y en a, je crois qu'il y en a un ou deux qui se sont rajoutés, mais j'étais le premier à vous proposer ça très rapidement, malgré que j'ai fait une petite coupure hôpital. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a 4 ans, j'ai fait un gros accident médical. Et je suis toujours suivi maintenant. Bon, l'accident, c'est du passé, mais je suis toujours suivi tous les 6 mois pour ce que j'ai dans mon petit ventre. Je voulais aussi vous prévenir que à partir de depuis quelques temps, je suis affilié à Utip. Donc le lien sera dans la description. Donc je crois que c'est utip.io/nicolechti de mémoire. Au pire, je le mettrai dans les vidéos, et en fait vous pouvez regarder une vidéo de 30 secondes et ça vous et moi je toucherai entre 3 et 5 centimes d'euros par vidéo que par pub que vous regarderez. Donc ça vous demande que 30 secondes, mais pour moi ça fait un petit soutien financier. Donc si vous le faites, je vous en remercie. Aussi, j'ai un lien, maintenant je suis affilié, je regarde mes petites notes en même temps, Instant Gaming. Aussi dans la description, donc le lien que je vous mets généralement, c'est le lien. Hop là, faire attention à pas faire tomber la caméra. C'est le lien général. Donc vous cliquez sur le lien général et vous vous baladez sur le site. Je toucherai entre, je crois, c'est entre 1 et 3%. Je mettrai aussi le petit récap dans la vidéo par achat que vous faites. Donc si vous utilisez mon lien général et pour les joueurs Guild Wars 2, sur les vidéos Guild Wars 2, vous verrez en description le lien qui vous permettra d'acheter 2000 gemmes au prix de entre 16, je crois j'ai vu entre 16,50 et 17,50, ça dépend du jour en fait, hein, faut regarder. Et donc vous passez pas par la compagnie commerciale du Long Noir, au lieu de payer les 25 balles, les demi-gels 25 euros. Ici ça vous coûtera entre 16,50 et 17,50, et c'est pareil, je touche une petite commission sur ces ventes. J'en parle pas souvent, il y a aussi dans la description de mes liens commerciaux d'ArenaNet de Guild Wars 2. Le premier lien vous permet de jouer gratuitement au jeu, et donc si vous atteignez le niveau 2 par ce lien, moi je touche un truc comme 3$. Un truc comme ça. Et l'autre lien, le deuxième lien, c'est pour acheter le jeu. Donc le premier, c'est le compte gratuit. Et le deuxième, c'est le compte payant. Et dessus, c'est un pourcentage. J'ai plus les chiffres en tête. Selon ce que vous choisissez, je crois que c'est aux alentours de 20%. Si je dis pas de bêtises. Donc selon ce que vous achetez comme extension et quelle, si c'est l'édition standard, deluxe ou collector, donc tout ça en numérique, et pareil je touche une petite commission, et pour vous ça ne vous coûte pas plus cher, mais pour moi ça permet de me soutenir, donc n'hésitez pas à utiliser ces liens si vous l'achetez des extensions, ou si vous voulez faire un deuxième ou un troisième compte gratuit, Guild Wars 2, ou si vous voulez, ou s'il y a un vos potes qui vous demande, ah, tiens t'as pas un lien pour essayer Guild Wars 2, donnez-moi mon lien et ça me fera plaisir. Deuxième chose, je vais parler de la team Hydre, mes copains Rising Sun et Baderas.
Je sais qu'on a fait quelques vidéos ensemble et qu'il y a, j'en ai vu un sur Twitter qui réclamait quand est-ce que vous en refaites une. Ce n'est pas évident, on n'est pas du tout, comment dire, on n'a pas les mêmes horaires. Surtout Badéras et Rising, eux deux, c'est très, comment dire, s'il y en a un qui est dispo à ce moment-là, l'autre ne l'est pas et vice-versa. Donc c'est très compliqué, mais on prévoit quand même de faire un petit truc au courant de l'année, j'espère. On avait une petite idée en tête qu'on voudrait mettre en place, mais je vais pas trop en discuter. Bon, même si c'est du déjà vu, mais je vais pas trop en discuter pour pas comment dire pour pas vous faire faux espoir. En premier lieu, je vais parler de Rising. Allez voir sur sa chaîne, il fait du Guild Wars 2, notamment du PVP. C'est super, il fait plein de guides tuto sur des builds. Comment jouer en PVP certains builds. Et aussi Rising fait aussi a fait un let's play sur Rim. L'histoire, franchement, ce jeu, allez le voir. Si vous connaissez pas le jeu, c'est vraiment un jeu graphique, mais il y a une histoire derrière qui est très sympa. Et aussi, il fait un peu de rétro gaming. Il parle des jeux qu'il jouait durant sa jeunesse. Et c'est une émission très sympa. C'est très court, rétro gaming, ce qu'il fait. Et c'est très sympathique. En deuxième, il y a Badéras, aussi beaucoup partenaire Guild Wars 2, Rising aussi un partenaire Guild Wars 2. Badéras aussi, lui, il s'est fait connaître vraiment à sa émission à travers la Thierry. C'est donc il voyage tout à travers la Thierry, il va prendre des captures d'écran, il va faire des vidéos de quelques secondes d'un coin de la Thierry, il va mettre tout ça en musique. Et c'est sympa à voir, il fait aussi. Il visite aussi les halls de guide que les gens veulent qu'on visite leur guilde. Et donc bah il visite tout simplement les guildes parce qu'il y a certaines personnes qui sont très bons là-dedans au niveau de la décoration. Et il parle aussi de Monster Hunter World. Je suis pas un grand fan de ce type de jeu parce que ça me rappelle à l'époque, pour ceux qui connaissent, les plus vieux d'entre vous, Phantasy Star Online. Épisode 1 et 2, que ce soit sur Dreamcast ou sur GameCube, c'est le même genre de jeu où il y avait beaucoup de farm, beaucoup de farm, beaucoup de farm pour upgrader, ce que ce soit en équipement ou en armes. Monster Hunter World, c'est pareil, c'est le même type de jeu. Il y en a beaucoup de gens qui aiment, mais moi j'ai beaucoup aimé l'histoire qu'il y avait derrière. Il a fait tout le mode histoire de ce jeu. Allez le voir si vous intéressez à ce jeu. Et c'est super sympa. Dernier point aussi, je suis en ce moment invité par Archibald Weirslade sur ses lives. Rien à voir avec Guild Wars 2. Lui, il fait du Guild Wars et du Guild Wars 2 aussi. Mais il fait beaucoup de jeux indépendants. Et notamment, bon, c'est très irrégulier. Mais en ce moment, avec lui, on fait du Stardew Valley. Pour ceux qui connaissent, je mettrai la vidéo. Je te mettrai la vidéo dans la vidéo. Hein, c'est un peu Inception. Et donc, on en a fait deux sessions pour le moment. Normalement, sur la chaîne, devrait arriver deux petits best-of. Enfin, pas best-of, mais vraiment des meilleurs moments du jeu de ce qu'on a fait dans la chaîne courant cet été. Allez le voir sur sa chaîne Twitch. Dans le lien sera dans la description. Et vraiment sympathique en plus, je me marre bien avec lui. Concernant aussi les autres jeux, je continue toujours The Witcher 2 en mode découverte, même si, comme dit dernièrement, j'ai pas pu tourner parce qu'il y a beaucoup de travaux chez moi. Je suis en totale rénovation plus mon petit séjour à l'hôpital. Il faut que je me remotive à tourner. Une fois que The Witcher 2 sera terminé, j'enchaîne directement avec The Witcher 3, pardon, toujours en mode découverte. Et je continue Mass Effect 3. Donc là, je connais bien le jeu. Je vais faire une grosse session de tournage. C'est le DLC de la Citadelle. Au moment où j'en suis à cette vidéo, où je tourne cette vidéo. Et après, je pense que je ferai une pause Mass Effect. Et j'ai un autre projet d'un jeu où ça sera un jeu sans commentaire. Parce que le jeu sera pris directement de la PS4. Et pour moi, vu ma configuration d'appartement, je ne pourrai pas parler par-dessus la vidéo, donc ça sera un genre de petit film où on sera vraiment dans le film. Je veux dire, il n'y aura pas les sous-titres. Bon, ça sera en français, bien sûr. Il n'y aura pas les sous-titres, mais c'est vraiment un petit film. Ça sera comme un petit film que je vais faire, et ça sera en plusieurs épisodes aussi, parce que si je fais tout le jeu, ça serait beaucoup trop long. Et après, je pense que je reviendrai sur Mass Effect Andromède, malgré que le jeu a été très critiqué.
surtout par les joueurs. Moi, c'est un jeu que j'apprécie, j'ai aimé l'histoire. J'ai même des petits objets collector. En l'occurrence, cette petite voiture modélisée du nomade. Et aussi, j'ai réussi à trouver la petite PB en pop, en Funko Pop, que j'aime bien. J'ai aussi la grosse pop du Larconte, mais elle est tellement bien rangée, je vais pas la sortir. Et je crois même que j'ai acheté un puzzle Mass Effect Andromède pour vous dire que j'aime bien ce jeu. Donc, pour finir, je vais vous rappeler que à chaque fois que je fais une vidéo, tous les liens sont dans la description. Donc maintenant, il y a les liens Utip, Instant Gaming, donc pour me soutenir. Sans oublier les liens commerciaux, parce que je suis partenaire à ArenaNet pour Guild Wars 2, pour essayer le jeu en compte gratuit ou acheter le jeu. Et je crois que c'est tout, on a tout dit. Il y aura aussi dans la description pour cette vidéo tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo, de Baderas, de Rising et de Archibald pour les retrouver et pour voir leur travail, ce qu'ils font. Allez les voir, franchement, moi j'aime bien. On est une petite communauté avec la team Hydre et Archie. Donc je sais qu'on n'est pas connu. Je veux dire, on a à peine 2000 abonnés chacun, sauf Rising, qui est un peu plus haut que moi. Bon, c'est pas grave, mais il le mérite. Allez les voir, tout simplement. Sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, tout plein de liens dans la description. Des bisous et à bientôt.